Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Et si l'on plantait un arbre pour sauver la planète? Vous avez certainement entendu cette affirmation à la télévision, ou bien encore vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux. À travers le monde, le grand chantier de la plantation d'arbres a débuté. L'Australie veut planter 1 milliard d'arbres d'ici 2050, et l'Inde s'est engagée à reverdir 95 millions d'hectares de forêt avant 2030. Le 29 juillet 2019, l'Éthiopie a battu le record mondial avec 350 millions d'arbres plantés en une journée. Pourquoi cet engouement pour la plantation d'arbres? Une récente étude publiée le 5 juillet dans la revue Science mentionne que la restauration des arbres fait partie des stratégies les plus efficaces pour atténuer les effets du changement climatique. Les scientifiques de cette étude estiment que si 0,9 milliard d'hectares sont reboisés sans empiéter sur l'espace déjà acquis par les humains, la capacité des arbres permettrait d'absorber 205 gigatonnes de carbone. Car oui, la menace actuelle est bien la quantité de carbone relâchée dans l'atmosphère, celle dont les États se sont engagés à diminuer lors des accords de Paris d'ici à 2030, et dont le GIEC préconise une chute de 45%. À ce jour, l'humanité n'a pas la capacité technique d'absorber et de stocker le CO2 pour éviter le réchauffement climatique. Cette douce utopie scientifique d'un humain capable de tout inventer est probable, mais pas quand celui-ci est soumis à une urgence qu'il tente en plus de relativiser. Voilà pourquoi l'arbre est l'unique instrument capable d'absorber ce fameux CO2 à l'heure actuelle. Pourtant, est-ce bien raisonnable de planter à tout va et surtout est-ce suffisant? Eh bien non. Tout d'abord, le côté très positif de l'arbre, c'est sa capacité à stocker le CO2. Pour exemple, un chêne vieux de 200 ans stocke 6 tonnes de carbone. Sachant qu'un humain produit 1,4 tonnes de CO2 par an, l'arbre stocke l'équivalent de 4 années de ses émissions. L'arbre équilibre le cycle de l'eau, nourrit le sol, le maintient, et permet ainsi aux écosystèmes de naître autour de lui. Donc oui, planter des arbres améliore nos conditions de vie, mais la manière, la quantité et la variété doivent être également réfléchies. Prenons pour exemple le Portugal qui, dans les années 1950, a décidé la plantation massive d'eucalyptus. En juin 2017, la forêt d'eucalyptus s'est transformée en un énorme brasier brûlant 180 000 hectares et tuant 64 personnes et des centaines de blessés. Dans cet incendie, c'est la variété qui est remise en cause. Effectivement, l'eucalyptus est très sensible au feu. Je pourrais même dire qu'il en raffole, puisque ses semences ont besoin de passer par une phase de brûlis pour germer. Cette erreur de choix au moment où le Portugal voulait reboiser pour stopper l'érosion de ses sols est un échec. Le CO2 dégagé par cet incendie annule l'effet bénéfique et amplifie même les émissions. À titre d'exemple, les incendies en Arctique, qui ont débuté l'été dernier, représentaient l'équivalent des émissions annuelles de la Suède, soit 50 mégatonnes de CO2. C'est tout de même 3 000 milliards d'arbres sur Terre et plus de 60 000 espèces différentes possédant des caractéristiques bien spécifiques qui existent. Aussi, le choix de la plantation est primordial. Certaines espèces peuvent avoir un impact négatif sur l'écosystème en place, d'où l'intérêt de toujours partir des espèces qui sont de la région, ou autrement dit, des espèces endémiques, pour avoir une variété adaptée aux conditions climatiques, mais également n'ayant pas un impact néfaste sur la biodiversité ou sur notre propre santé. L'Éthiopie, de 2000 à 2015, a planté 4 milliards d'arbres, seulement 20 à 30% ont survécu, faute de bonne gestion. Avec le réchauffement climatique, il a été constaté par une étude de la revue Nature Plants que les conditions de sécheresse auxquelles sont soumises les forêts tropicales altèrent leur fonction de puits de carbone.
Entre 2010 et 2017, il a été constaté que les pertes sont quasi équivalentes au stock de carbone. Aussi, la modification du climat agit d'ores et déjà sur les vertus des forêts, mais également sur leur capacité à s'adapter au changement. Des forêts entières meurent en Europe et à travers le monde, ne supportant pas le stress trop rapide infligé par le climat. Un autre problème rencontré et pointé du doigt par des scientifiques allemands de l'université de Potsdam est que les arbres détériorent la qualité de notre atmosphère future. À cause des pics de chaleur, ils diffusent d'énormes quantités de composés organiques qui augmentent la formation de l'ozone de 6 à 20% et par température élevée jusqu'à 60%. Un dernier point est non négligeable, et que les bénéfices portés par la plantation n'arriveront qu'une dizaine d'années plus tard, lorsque l'individu sera en capacité d'absorber un maximum de carbone. Avec ces éléments en tête, nous ne pouvons que comprendre l'intérêt et l'urgence de préserver les forêts existantes. Tous les jours, nous voyons des brasiers aux quatre coins du monde. C'est bien là la première hémorragie qu'il faut stopper. La déforestation pour notre consommation, combinée au réchauffement, accélère la disparition des forêts essentielles à la vie sur Terre. Les gouvernements devraient déployer toutes leurs compétences pour cette préservation, mais nous l'avons bien compris, les dirigeants mondiaux n'ont pas pour priorité de s'occuper de cendres, mais plutôt de billets bien verts. Pourtant, les forêts primaires sont les plus propices à absorber un maximum de carbone. Si elles sont perdues, la probabilité de conserver une augmentation des températures en deçà de 2 degrés aura définitivement disparu. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Je souhaiterais remercier chaleureusement, à travers le monde, l'ensemble des personnes qui luttent quotidiennement pour la préservation de leur territoire et ainsi de notre nature. Ils sont des héros et pourtant sont chassés comme des bêtes sauvages. Le vendredi 1er novembre 2019, un jeune Amazonien de 26 ans, nommé Paolo, militant et responsable de l'ONG Gardien de la Forêt, a été assassiné par des trafiquants. Il combattait l'exploitation illégale du bois et l'expansion agricole dans une région d'Amazonie la plus touchée par les feux. À travers le monde, c'est un écologiste par semaine qui meurt. Fermeture de la parenthèse. Une réponse à apporter à l'incapacité des forêts à résoudre à elles seules le problème du carbone est de réduire drastiquement nos émissions de CO2. Sans cela, l'arbre planté sert uniquement de paravent aux désastres en cours. À trop chercher de solutions, nous oublions qu'en réduisant le problème, il est plus facile de s'y confronter. Si au niveau mondial, les plantations de masse peuvent avoir des effets pervers sur l'environnement, par contre, allez-y, ne vous privez pas, plantez, semez. Si vous avez un minimum de jardin, n'hésitez pas à sélectionner un fruitier dont vous raffolez ou bien un arbre au houppier épais et généreux pour vous abriter du soleil, tel qu'un tilleul par exemple, les abeilles seront conquises et vous savourez une excellente tisane en hiver. L'homme a toujours mystifié l'arbre, il est à la fois la table sur laquelle il dîne, il est son oxygène, il se nourrit de ses fruits, il rafraîchit son atmosphère, il féconde la terre de tous ses nutriments, et a bien d'autres utilités, il est extraordinaire. Alors oui, l'arbre est le meilleur compagnon de l'homme, lorsque celui-ci n'en abuse pas. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des babotines. Green, tu vois ? Mais tu vois le Green, absolument. Green, Green, Green.